Et yo tout le monde, on se retrouve ce soir sur ma chaîne, le youtubeur le plus productif en ce moment. Franchement j'abuse, je sais, désolé les gars. Mais bon, du coup, on se retrouve ce soir en fait pour faire une petite escapade nocturne citadine dans Montréal. Il y a eu quelques installations dans le centre de Montréal sur le thème son et lumière. Et du coup, on va aller découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Première installation, ça c'est censé représenter les sillons dans les champs agricoles, dans les champs de blé, c'est censé représenter un peu ce genre de choses. Mais faudra pas plus m'en demander par contre. Hey, c'est pas mal, il y a du monde quand même. J'espère qu'on va entendre, mais avec les gens je suis pas sûr. Alors j'ai pas trop bien compris, j'ai lu vite fait pendant que je faisais le plan là. Mais en gros c'est censé... Ouah, c'est un bordel. C'est censé représenter un iceberg, le son que tu peux retrouver à l'intérieur pendant la fonte. Voilà, voilà. Allez, on continue. Alors la question c'est, est-ce qu'on va la faire cette grande roue? Ouah, c'est blindé. Bon, derrière moi c'est le petit truc Montréal qu'on peut mettre dans plusieurs villes hein, pour faire la petite photo. Par contre, c'est impressionnant, il y a vraiment beaucoup de monde. Ça c'est pas mal. Bon, visiblement faut taper dessus avec le pied. Comment ça marche? Ok, donc si on appuie. Alors là, ce sont des petites tiges avec un sol lumineux. Et quand tu appuies sur le sol, ça fait des petites musiques. Voilà, j'ai pas trop bien compris le thème, mais ça a l'air de bien amuser les gens en tout cas. Waouh, ça c'est classe. Il y en a vraiment de partout, je sais pas dans quel sens aller. Mais en tout cas, c'est vraiment classe. Oh, en plus, il commence à neiger, c'est vraiment pas mal. On va aller vite se réchauffer un petit peu les mains. Alors, il y a une petite patinoire, mais on dirait qu'il y a des tremplins là-bas. Ah, mais ils vont passer la machine et tout. Heureusement que je discute avec les gens. Petit fail, le spectacle c'était il y a une heure, et le prochain c'est dans une heure. Les gars, je galère de fou. Le vent froid dans les yeux, ça pique. J'ai les mains gelées malgré les gants. J'espère que ça vous fait plaisir. Mettez des pouces bleus, vraiment. Bon, je comptais faire un tour de roue là-haut là, mais vu la queue, je pense que c'est même pas la peine d'y penser. On va revenir tout à l'heure. Avec un peu de chance, il y aura peut-être un petit peu moins de monde. C'est pas grave. Mais voilà, là c'est trop, il y a beaucoup trop de monde. Et là, il y a quoi? Ok, je crois que c'est une entrée pour un truc là-bas. On va aller voir. Regardez, c'est la merde, il y a du monde de partout. Donc là-bas, on dirait que bah, c'est ça, il y a une petite patinoire. On va aller voir. Ils m'ont donné ça, je suppose qu'il faut que je le colle sur moi. Bon les gars, petit stand réchauffage de main. Et je pensais qu'on pouvait accéder à la patinoire par là, mais en fait pas du tout. Il y a un petit passage là, mais c'est bloqué, je comprends pas pourquoi. Mais en tout cas c'est sympa là. T'as une petite installation là, avec les buvettes. Voilà quoi, tu prends ta petite boisson ici, tu te réchauffes, t'as des petits machins pour te réchauffer, voilà. Juste là. Et c'est pas mal. Et voilà, et tout le monde se cale ici. Boit un coup, se réchauffe. Et il y a la patinoire juste à côté. Allez, on va essayer de trouver l'accès pour la patinoire. Ça c'est un petit truc qui se fait pas mal ici. Ils te mettent le sirop d'érable sur de la glace, ils te l'étalent comme ça, ils te mettent un petit bâton, ils te l'enroulent. Donc ça te fait une petite sucrerie au sirop d'érable. Oh, trop bien, c'est pour réchauffer les mains. Et c'est parfait ça. Là tu mets ta main à l'intérieur et ça te réchauffe un peu. Un petit jeu de hockey pour les enfants, vraiment cool. Regardez, ils ont leur petite crosse et tout. Bon, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, le petit pouce bleu bien sûr. Et l'abonnement, n'oubliez pas les gars, ça m'aide énormément. Mais non, ils ont même installé un truc de curling. Mais non. Et là-bas, j'ai vu, il y a une petite cage. Il y a vraiment des petits trucs de partout, c'est trop bien.
Là, là, ils ont mis des petites balançoires. Mais non, moi qui pensais y aller tranquillement, regardez. Il y a une queue monstrueuse encore là. Ça va jusque là-bas. Je suis revenu à la patinoire de tout à l'heure là. Effectivement, il y a un peu plus d'ambiance. En plus, il y a le petit DJ là-haut qui fait de la musique. Franchement, c'est impressionnant. On va mettre des patins en espérant que ce soit pas trop galère d'attendre. Nope. Alors autant c'est vrai que ces derniers temps c'était un petit peu mort là avec le Covid tout ça. Mais alors là, si Montréal en temps normal c'est comme ça, je sens que j'ai vraiment aimé. Quoi ? Un faux raccord ? Non, c'est pas ça. Il s'est juste passé un léger petit laps de temps entre le moment où j'ai pris la caméra tout à l'heure et maintenant. Mais c'est tout, y a rien à falloir, c'est pas grave, d'accord ? On fait comme si de rien n'était et on continue. Ah ! Ok, bon, avec ma chance légendaire, c'est fermé jusqu'à 18h30. Donc on va devoir encore revenir, super. Pour la roue aussi, il y a beaucoup moins de monde, donc on va tenter. En espérant qu'on ait une vue sympa de là-haut. Hello. Pardon ? Non, t'inquiète pas, il fonctionne bien, merci. Franchement, là, on dirait pas, il y avait pas grand monde. Mais déjà, t'attends un quart d'heure et le temps qui vide chaque nacelle à chaque fois, c'est super long. J'ai bien fait de venir maintenant. Hier, avec la foule là, ça aurait été pas possible du tout. Ah ben, voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu y aller tout à l'heure. Ils sont en train de faire l'entretien de la patinoire. Ah ouais, le parcours, il est super grand en fait. Ça fait vraiment un petit circuit là, ça va être sympa. Et là-bas là, je sais pas si on voit un peu. Tout là-bas là, c'est le Mont-Royal. Autant vous dire que je souffre encore. Hein. Avec le vent et l'altitude, tu reçois encore plus de vent. J'ai les mains gelées. Je suis en train de péter un plomb. Bon voilà les gars, ça c'est fait, enfin. Maintenant il va manquer plus que le petit circuit là de patinoire. Décidément ce circuit là. Faut que j'attende encore une demi-heure avant de pouvoir aller sur la petite patinoire là. J'aurais attendu hein, putain. En tout cas c'est sympa, franchement il y a tout autour là, t'as plein de petits stands. Tu peux prendre une petite bière, des trucs comme ça. Le sirop d'érable, jouer, comme j'ai montré là, il y a les petits stands de curling et tout. Vous avez vu, hein, j'étais tranquillement en train de me réchauffer les pieds, mais je viens de voir qu'ils ont ouvert la patinoire, du coup, on y va. Ah. Vous pouvez pas filmer à l'intérieur. Ok, pas de soucis. J'ai gardé comme ça pour une caméra. Ouais, ouais, on a le droit de filmer à l'intérieur. Ouais. Super agréable. Comme quoi, hein, c'est toujours bien de discuter avec plusieurs personnes. Là, il y a une personne du staff qui vient de me dire que j'avais le droit finalement. Et elle était plutôt gentille, ça change. Parce que, putain, à l'entrée, elle était énervée. Bon. Je suis content, je peux filmer, ça fait plaisir. Allez, on continue. En espérant que je casse rien. Bon, voilà les gars. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça s'est un petit peu étalé sur deux jours, mais bon, ça valait le coup. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, que vous avez kiffé, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça m'aide énormément pour la chaîne. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !
Ouais.